Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Minute Tips consacré cette semaine aux peintures énamelles. Je vous propose de découvrir tout de suite en détail leur utilisation, leurs atouts et faiblesses. Votre maquette est prête pour la mise en peinture et votre choix s'est porté sur la gamme Imbrol. Il s'agit de peintures de type énamel à forte concentration pigmentaire, largement employées par les maquettistes depuis de nombreuses années. Il conviendra, dans un premier temps et dès l'ouverture du pot, d'utiliser une chute de grappe plastique ou un cure-dent afin de mélanger les pigments amalgamés au fond du pot et le médium resté en surface. Après quelques secondes, votre peinture aura trouvé une texture adaptée, soit pour une application au pinceau ou à l'aérographe. Dans le cas d'une application à l'aéro, il conviendra de diluer votre peinture avec le diluant de la marque en respectant un ratio de plus ou moins un tiers de peinture et deux tiers de diluant en veillant à laisser sécher chaque couche avant la suivante. Ce même diluant vous permettra de nettoyer vos pinceaux ou votre aérographe après chaque utilisation des peintures Imbrol. Dans tous les cas, nous vous recommandons d'utiliser ces peintures dans un espace fortement ventilé compte tenu de la nocivité de ce diluant. Vous retrouverez toutes ces références dans la description de la vidéo et sur la boutique 1001maquettes.fr.